Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans le monde magique de LEGO Animation Kids Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 14 du Let's Play de Skylanders The Spyro Adventure. Dans cet épisode, on va récupérer la source de la tech éternelle. Donc on va aller voir tout de suite le général robot, donc c'est parti. Ah non, ils n'ont pas fait le derrière de cette recurrence. À vos ordres, chef. La source de la tech éternelle est vachement loin, hein. Mais on va y aller, hein, vous en faites pas. Ah bah, on devait exploser un mur avec la bombe. Prends ça, Moudichard! Je crois qu'on avait un truc juste là. Bah, de la nourriture. J'en avais un peu besoin quand même. Après avoir été un peu rabaissé par le char de troll. Ah bah, encore de la nourriture. Oh non, pas encore les trolls là. Prends ça. On a une clé. Pour ouvrir le passage là, à mon avis, oui. Et on a une gemme d'âme. Qui ça peut bien être? Drillbot, je l'ai. Oui, c'est ça. Ah non, c'est Drill Sergeant. Bon, c'est pareil, hein, puisque c'est un robot. Mais bon, on va pas le voir. Prends ça. Faut absolument que je me trouve de la nourriture pour nourrir mon Skylanders qui a presque plus de vie. Allez, on va essayer d'en trouver. Là, c'est bon. Ouais, puis toi, arrête de me tirer dessus! Ça suffit! Ah, de la nourriture encore. Tant mieux, Eruptor est... a de nouveau de la vie, c'est déjà le principal. Mais il y a plein de trolls partout, c'est incroyable! Allez, bam! On a explosé quelque chose. Ah oui, le mur qui était là. On n'est pas encore tombé sur une porte de d'éléments, hein, pour récupérer un chapeau ou un truc comme ça. Mais je pense que ça va arriver. Encore lui ? Seul un Skylander des morts vivants peut débloquer la porte. Ah bah, quand je disais qu'on allait avoir une porte de l'élément à faire, bah, le temps qu'on la fasse, on va faire une ellipse, donc à tout de suite. Après avoir énormément galéré, je dois vous dire, on a enfin le cadeau avec un chapeau dedans probablement.
Ouais, ça va bien aller à Crossbone. Je sais pas comment il s'appelle, le Skylanders là, mais bon, on va lui mettre Ghost Roaster. Donc, ça lui va très bien comme casque. On ressort enfin de là. Ouh ! Non, parce que quand j'étais hors caméra, je vous jure que j'ai galéré à faire cette porte. Et voilà qu'on se fait déjà tirer par un troll. Je vais t'éclater. Pardon, hein, mais je suis un petit peu énervé quand même après le long truc que j'ai fait juste pour avoir le chapeau là que vous avez vu tout à l'heure. On a une gemme d'âme qui est juste ici. Faire ça, hein. Mais on va essayer de récupérer la gemme d'âme qu'on avait vue juste avant, hein. Si d'abord j'arrive à manier cette machine. On va réussir, ne vous en faites pas. Et on a la fameuse gemme d'âme de... Je sais pas qui c'est, mais de sûr je l'ai puisque je vois son visage. Ah, de Drobot, c'est ça que le Skylanders que j'ai essayé de dire, mais que j'ai confondu avec un autre. Ouais, non, on va pas se le voir. Même si je sais qu'il est badass, hein, ça j'ai vu. En tout cas, on va rebouger une autre bombe énorme pour exploser le fameux mur qui se trouve juste là-bas. On a fait exploser le mur, mais je crois qu'on a un bug avec celui qui essaie de parler, Maître Legrand. C'est leur arme secrète. Les trolls doivent utiliser la source tech éternelle pour l'alimenter. Dois la détruire. Ça te permettra de récupérer la source par la même occasion. Hey, courage. Oui, des fois il y a un peu des bugs avec les dialogues, mais ça, on ne peut rien y faire. Je me demande même... Je me demande même, excusez-moi parce que j'ai été occupé par tirer sur l'ennemi, mais je me demande même si ce bug pourrait pas être exploité dans un bug zone justement dédié à ce jeu. Allez, on va la voir. C'est bon, on a eu le char. La source de la tech éternelle est à nous. Donc le niveau champ de bataille est terminé, donc voilà. On a débloqué un nouveau truc, je crois bien. Je suis un grand général. Mais si le surnaturel entre en jeu, moi, je me tire ailleurs, si j'ose dire. C'est mon dernier hurrah. Bonne chance, soldat. Le général n'a pas tout à fait tort. Néanmoins,
Les esprits des morts-vivants ne viennent d'ici que si quelqu'un les dérange sérieusement. Tu devrais enquêter dessus. Son bruit vient de la plage. Ben, allons-y. À mon avis, ça doit être un squelette ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est la porte là, donc allons-y. Tu n'as pas l'air de savoir que c'est comme ça que les squelettes disent bonjour. Non, pas du tout. Évidemment, je n'ai rien à squelette là. Il doit me manquer un os ou deux, voire carrément 204. je n'arrive pas à retrouver mon corps. C'est embarrassant. Moi, c'est T-Bone, vous faites. Vous faites un sacré boucan, tu sais. Un truc à réveiller les morts. Une petite blague de chez vous. Eh bien, bonjour l'ambiance. Vous avez l'air plus mort que moi. Eh, tu es un Skylander, pas vrai? J'aurais besoin d'un peu d'aide pour retrouver mon corps. Tu veux m'aider? Hein? Tu veux m'aider à retrouver le restant de moi-même? Ah! Merci mille fois. Je voudrais te serrer la main, mais il faut d'abord que je retrouve la mienne. Bon, laisse tomber. Si on suit les pointillés ici, ça devrait aller. T'en fais pas pour moi. J'emboîterai mes morceaux tout seul. Ben, on doit retrouver différentes parties de son corps, donc allons-y. Super. Oh, super. Je me sens déjà mieux. Allez, continue de chercher. À vos ordres, chef. Hey, regarde-moi. On peut dire que j'ai perdu les os. Bien, plus qu'un, et je serai à nouveau un vrai squelette, en chair et surtout en os. Waouh, le rire d'imbécile qu'il a, c'est incroyable. Ben on verra ça la prochaine fois, donc non, pas tout de suite. Pas de problème, c'est ta vie, je peux attendre. Donc dans le prochain épisode, on aura récupéré un masque de la mort, ou un truc comme ça, donc voilà. C'était l'épisode 14 du Let's Play de Skylanders Spyro Adventure. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire, et n'hésitez pas aussi à vous abonner, franchement ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de JL7 et de HL5 Gaming. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de LEGO Animation Kid Studios. À la prochaine, au revoir.